Bonsoir Facebook, j'espère que tout le monde va bien. Marie-Christine Eustache sur son profil personnel, cultivatrice de bonheur qui permet aux femmes, aux mères, qui ont laissé leurs rêves un petit peu de côté pour faire autre chose, en général s'occuper des enfants, eh bien je vous permets de reconnecter à ces rêves, de les sortir des tiroirs, des placards, de les mettre en œuvre, de les réaliser et de pouvoir dire ensuite c'est possible, je l'ai fait, je l'ai réalisé. Ce soir, c'est terminé l'accompagnement de coaching professionnel avec Fanny, donc qui est super contente. Voilà, je vous partagerai son témoignage après. Et donc ce matin, j'ai partagé une publication de Mélanie Anne-Loyer qui a craqué les codes, les codes financiers, les codes de réussite, avec un chiffre d'affaires cumulé sur à peine 5 ans d'activité, je crois de 50 millions de dollars. Et donc j'ai partagé ça parce que voilà, elle est cette femme qui ouvre la voie pour les autres derrière. Il y en a plein d'autres qui suivent derrière. Suite à la question de Blandine, justement, j'ai partagé des noms de femmes françaises que vous pouvez suivre, que vous pouvez aller voir. Voilà, craquer les codes. Craquer les codes de la réussite, du business, de l'épanouissement, d'une réussite globale, en fait, d'accord ? C'est pas juste une réussite professionnelle et à côté, il n'y a rien. C'est vraiment une réussite globale au niveau du business, de la famille, du conjoint, enfin, c'est tout ça. Et j'ai bien aimé cet après-midi, oh, je bouge un peu, excusez-moi, hop, je me recale. J'ai bien aimé cet après-midi, j'ai regardé une publication dans le groupe Alpha Femme, où il y en a une qui a participé à une réunion d'entrepreneurs. Ils étaient à peu près 300, il n'y avait que moins une trentaine de femmes, je crois, seulement. Elle était la plus jeune, ou probablement l'une des plus jeunes, à 32 ans. Et donc, quand elle a présenté son business, les gens, ils ne l'ont pas cru, quoi. Voilà, parce qu'évidemment, elle fait, je ne sais plus quel chiffre d'affaires elle a annoncé, mais un truc qui est phénoménal. Quand il a été posé la question de qui a pris 15 jours de vacances d'affilée sur la dernière année, bah elle a levé la main parce qu'elle prend même largement plus de 15 jours de vacances parce que voilà, son business y tourne avec plus de 80% de bénéfices. C'est un truc de dingue. Évidemment, les autres personnes l'ont regardé en disant « Mais c'est quoi cet extraterrestre quoi ? C'est possible de faire un truc comme ça, c'est possible d'avoir du personnel aux quatre coins de la planète, c'est possible de faire des chiffres d'affaires pareils, c'est possible de prendre des vacances quand on est chef d'entreprise. Bonsoir, un petit œil qui arrive, bienvenue. C'est possible de réaliser ses rêves comme ça et même au-delà de ses rêves. Et ouais, tout ça c'est possible. C'est pour ça que je vous le partage, parce que j'ai vraiment envie que les personnes puissent découvrir que oui, c'est possible. Il y a tellement de choses qui sont possibles, il y a tellement d'univers auxquels on n'a pas accès pour l'instant parce qu'on se dit « bah ouais, non, ça n'existe pas, parce que c'est pas possible », parce qu'on a tout plein de freins, de croyances limitantes, alors que c'est juste illimité. Voilà, donc je vous mets ça vraiment en avant, je vous partage les informations, voilà, des personnes que vous pouvez suivre. Suivez votre cœur, suivez l'énergie de celle qui vous fait envie. Voilà, comme moi, j'ai suivi l'énergie, pardon, j'appuie sur le micro, de celle qui m'a fait envie quand j'ai vu ces lives, etc. Nikki, je me suis dit, mais ça me parle. Moi, j'ai envie de bosser avec elle. Moi, j'ai envie de suivre ce qu'elle fait. Et j'ai rejoint son programme. Je peux vous dire, j'en suis, mais plus qu'heureuse quand je vois le stretch que je vous ai partagé justement ce matin, voilà, le stretching interne,
qui n'a rien à voir avec le stretching que peut vous proposer prof de sport ou Coralie qui fait du doing, qui fait des exercices comme ça aussi pour les muscles. Là, c'est un autre type de stretching et je peux vous dire que c'est super puissant et je suis super contente de le faire parce que ça donne tellement d'expansion à l'intérieur, tellement de possibilités. On quitte l'environnement de lourdeur, de galère, de trucs compliqués, etc. Et waouh, voilà, on déploie nos ailes, on va vivre autre chose. Je les ai déjà beaucoup déployées, mes ailes, en osant poser le divorce, en osant révolutionner mon alimentation pour guérir mon organisme. Voilà, et je continue. Et je continue, je vous partage ça parce que j'ai envie que vous aussi vous puissiez réaliser. Voilà, je vais vous mettre le témoignage de Fanny, c'est enregistré. Je prenne le temps de le monter, je vais voir ça demain ou après-demain, peut-être plutôt. Voilà, où elle est super contente d'être passée d'un truc, comme elle dit, de projet rêvé, mais un peu dans les nuages. Là, elle est passée sur du concret, elle a pris conscience que c'est concret, qu'elle peut le réaliser, qu'elle a avancé et que finalement, elle a passé des stades où bah, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Elle s'en faisait une montagne et le truc s'est passé fluide, cool, nickel. Voilà. Moi, je suis juste heureuse de voir ça, de la voir avec le sourire, de la voir changer. Changer de posture, changer d'énergie, c'est pas la même Fanny que j'avais ce soir avec celle que j'ai eue le premier jour. Il y a deux personnes différentes et je vois la différence. Donc ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. Et voilà, et si ça vous tente, bah voilà, mettez-moi un P qu'on en discute. Au plaisir de vous aider parce que franchement, oui, c'est possible. Et si vous avez des doutes, parce que comme Stéphanie l'autre jour avec qui est passée à la maison, qui dit ouais mais c'est un peu louche quand même ce truc-là de générer autant d'argent, etc. Enfin bon, les choses qu'on peut voir de l'extérieur, ou se dire mais attends mais c'est quoi ce truc? Ok, bon bah oui, il y a une croyance qui est derrière que d'expanser aussi rapidement, de faire des choses aussi rapidement. Il y a un truc louche. Ok. Prenez le temps de rencontrer les personnes, de voir comment ça se passe concrètement. Voilà, moi, voilà, en tant que membre de l'Académie Zéro Limite, ben, j'ai pu répondre aux questions de Stéphanie par rapport à ça et de lui dire, bah oui, mais voilà tout ce qu'on découvre, voilà tout ce qu'il y a derrière. Voilà, il y a beaucoup de monde. Alors bien sûr, il y en a dans l'eau. Qui vont avoir envie de prendre ce chemin et pour qui ça va peut-être pas être le moment pour l'instant, ça va pas peut-être réussir, ou on va investir, voilà, comme ma collègue Anne qui a partagé cet après-midi, voilà, qu'elle avait investi 10 000 euros dans un accompagnement et elle a eu un résultat zéro. On peut se dire, bah, gloups, quoi, mince. Moi-même, il y a quelques années, j'ai investi 6 000 euros dans un accompagnement. Et le résultat, bah, ouais, pas à la hauteur du tout de ce que j'imaginais. Parce que j'étais pas top dans ma physiologie, parce que j'étais pas au point, parce que l'accompagnement finalement était un fonctionnement masculin et que bah, moi ça vibrait déjà pas trop finalement à ce moment-là, mais à l'époque j'en avais pas conscience. J'ai appris des choses suite à ça. Alors évidemment, ces investissements de montants pareils, on ne les fait pas en premier, en one shot, enfin on les fait pas comment dire, pour la première marche. Pour la première marche, bien souvent, on s'entraîne avec des petites choses, avec des petits programmes, avec des choses sur des budgets qui n'engagent pas, où il n'y a pas un gros enjeu. D'accord? On ne va pas tout de suite prendre le programme Alpha Femme qui est à 17 000 euros. D'accord? Ou un autre programme qui est à 30, 40 000 euros. D'accord? Parce que déjà, un, on n'a pas le budget.
Et puis deux, c'est trop, la marche est trop haute. D'accord? On expanse au fur et à mesure, et on ne va pas expanser à vouloir se faire la grenouille plus grosse que le bœuf, hein, vous connaissez le compte, parce que là, sinon, on va exploser, on va imploser, on va faire un burn-out. Et j'ai vu des personnes justement faire des burn-out. Coucou, je crois que c'est Amel qui vient me faire un coucou. Coucou Amel, j'ai aperçu ta photo, enfin ton émoticône. Merci de venir me rendre visite, c'est cool. Et donc voilà, on expanse, mais au fur et à mesure, on va stretcher doucement, tranquillement les muscles, parce que sinon, sinon ça va pas quoi, hein? Et Amel, c'est une super nana, j'adore, je suis très très contente de l'avoir rencontrée et je vous encourage à aller voir ses lives, à aller voir ce qu'elle fait. Elle nous aide à expanser les finances. Ah, ça c'est pas facile. Coucou Claire, je vois que Claire est là ce soir. Bienvenue Claire, j'espère que tu vas bien. Ça faisait un petit moment que je t'avais pas vue. Il faut que tu nous répondes pour le message pour qu'on sache quand est-ce qu'on se voit le week-end avec ton frérot. Voilà. Et donc, voilà, Amel, elle a craqué les codes aussi. Elle a craqué les codes littéralement. Moi, je suis admirative, admirative de sa capacité voilà, à faire ça. Ça va venir pour moi aussi. Voilà. Parce que j'essaye à chaque fois que. Voilà, toutes les personnes que j'ai mis sur. Commandant que j'ai tagué en fait, voilà, ce sont des personnes avec où je suis allée voir les vidéos, je suis allée voir les lives, j'ai regardé. Il y a des personnes avec qui ça match, mais à fond, voilà, comme Amel. Voilà, il y en a d'autres avec qui je vibre moins, ça me correspond moins, ça accroche pas. Et chacun voit ce qui lui plaît, d'accord. C'est pour ça que je vous ai proposé plein de noms. Vous accrochez pas juste à une personne, allez voir. Allez regarder, allez visiter, allez voir les boutiques pour savoir qu'est-ce qui vous plaît. Voilà, avec qui ça match, avec qui vous avez envie. Voilà, il y en a une avec qui j'adore aussi en anglais, c'est Jasmine Monk. Voilà, très pétillante, très dynamique, c'est impressionnant tout ce qu'elle fait, j'adore aussi. Voilà, il y en a d'autres. Donc voilà, surtout, vous limitez pas. Et donc, Amel, tu sais que je vais passer à Bordeaux cet été avec mon chéri quand on va rentrer sur notre retour de vacances. On a une semaine encore de vacances, donc on va passer à Bordeaux. Donc j'espère qu'on va pouvoir te voir. Avec Niki, on va caler le truc. Il va y avoir Matlawa aussi, Matalwa, avec qui on va pouvoir se voir. Et donc j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer physiquement, se faire un gros hug. Partager un super jus de légumes. Je sais qu'à Bordeaux, j'espère que ça existe encore. Il y a une petite boutique qui fait des jus de fruits et de légumes qui sont juste top. Et voilà. Et donc Amel qui me met, merci beaucoup. Tout ce que tu vois en chacun, en chacune, en nous, existe en toi aussi. Oui, merci. J'en ai conscience dans ma tête. C'est pas encore arrivé jusqu'au cœur. Ça va descendre. Voilà, je travaille avec Siam. Avec Siam Lee, donc lui qui est un homme, Siam Lee, qui m'accompagne pour lever justement les freins que je peux avoir à l'intérieur, les freins que je ne vois pas, tous les blocages qui sont à l'intérieur et qui sont qui m'empêchent d'avancer ou qui m'empêchent justement d'être dans cette. Dans ce craquage de code. Ben enfin déjà, je pense que voilà, j'ai aussi la gratitude, énorme gratitude de tout ce que j'ai pu craquer déjà jusqu'à présent. Voilà, d'être passé, voilà, de divorcer dans une relation toxique à en couple dans une super belle relation, d'avoir passé d'une situation complètement épuisée jusqu'à avoir de la vitalité et tout. Voilà, tout ça, c'est déjà génial. Donc sublime, je suis proche de Niki et de Mata. Alors sûr aussi, avec grand joie, yes, Siam en RTT. Voilà. Voilà. Bon, ben merci, merci pour ta présence, Amel. Ça me fait super plaisir. Plaisir de te voir en vrai, en chair et en os, en vibration.
En tout cas, déjà, ça vibre super quand tu fais tes vidéos. Et donc, je me nourris de ça. Et c'est pour ça que je vous invite les unes, les autres, Claire, qui regardent cette vidéo aussi. Vas-y, Claire, connecte, va voir les personnes, va regarder. Tu vas voir, il y a un monde, mais juste extraordinaire qui est possible. Faut pas que je tape sur mon micro quand je mets la main sur mon cœur. C'est extraordinaire. Donc, voilà, lâchez les freins, ouvrez les ailes, on y va. Toutes ensemble avec toutes ces magnifiques personnes. Sur ce, il y a mon chéri qui m'a fait un petit signe comme quoi le dîner est prêt. Eh ben, je vais aller me restaurer. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous, hydratation à fond, gardez la bouteille d'eau à côté, buvez toute la journée parce qu'il va faire très 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 chaud pour les jours à venir. Voilà, les plans canicules sont déclenchés nous sur Sainte-Luce à partir de demain. Donc merci Amel, bon appétit, très bonne soirée à toi aussi, bonne soirée Claire, bonne soirée à toutes celles et ceux qui vont regarder en replay. Beaucoup beaucoup d'amour, prenez soin de vous et à demain pour un autre live.